Et salut à tous, c'est Nao et bienvenue pour la suite du DLC de The Evil Within. On avait réussi à ouvrir la porte, alors je fais cet épisode à la suite d'autres, alors je suis encore... Oh, c'était chaud. On a ouvert cette porte, on cherche... Joseph. J'ai des boules. Ah! Bonsoir, monte. Je ne veux plus jouer. Ah, ce jeu, c'est trop grand. Ah, ça me rappelle quelque chose, ça, dis donc. Mais oui. Ah, c'est avec la porte qu'on pouvait pas ouvrir, là, non? Joseph, vous êtes vivant. Vous aussi, heureusement. Vous avez vu Sébastien? Pépito! On devrait peut-être retourner le chercher. Non. Enfin... Non. Commençons par sortir d'ici, ensuite on s'occupera de Sébastien. Pas se faire griller. On peut ouvrir cette porte? À nous deux, ça m'étonne. Oh merde. Moi, je suis pas armé, hein. Pourquoi je suis pas armé, d'ailleurs? Ça ira. Vite. Essayez de trouver une autre sortie. Ok. Ça marche. Bah, allez, là. Je vais te dépêcher. Cherchez comment sortir d'ici. Et Joseph, et t'as vu, il y a une porte qui est apparue comme ça là. Je switch la lampe. Yop là. Oh, Salem. Miaou. Il vient même me chercher si c'est pas mignon. Et Joseph ne me suit pas. Bah écoute, peut-être que je vais devoir lui ouvrir la porte en fait. Je sais pas trop. Plop. Et plop. Allez, petit chat. J'ai failli te caresser mes dents en fait. J'ai plus envie. Ok. Ça me rappelle quelque chose, ça aussi, non? On a pas monté un truc comme ça, à un moment donné, dans le jeu? Je ne sais plus. Ah, c'est Pépito! Ah, et après, il arrive pour nous secourir. Et après, j'ouvre la porte. Je me rappelle. Ah! Bonus ou pas bonus? Attendez, est-ce qu'il y avait quoi, là? Ah, c'est peut-être là où il faut que je continue, attendez. D'abord, passer par là. Ou pas, attendez. Deux secondes. Je sais pas trop où il faut que j'aille, du coup, là. Il y a un truc de fou de l'autre côté. Il y a rien, ici? Bah si, c'est ouvert. Oh, mais non, il y a une cinématique. Vous dissipez. Je vous avais pourtant prévenu. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Je n'y comprends rien. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah oui, en effet, ouais. Vous a vu. Non, Sandek. Se nourrit de moi. Mais nous avons un problème plus urgent. Bizarre comme phrase. C'est inspecteur. Moi, je vais bien qu'il sourit, Stéphane. Ce n'est pas un problème. Il ne se doute de rien. C'est superflu. Je croyais avoir été clair. Oh, merde. Supprimez-le. C'est pour ça qu'on a tué Joseph, alors. Tuer Joseph, ça ne m'aidera pas à retrouver Leslie. Méfiez-vous de lui. Il vous trahira. C'est à et Joseph aussi. Oh, son ombre augmente. Qu'est-ce que c'est délire? Vous étiez prévenu. Vous êtes faible, Kid. Kid. Et vous nous décevez beaucoup. Désolé, monsieur. Ah, merde, du coup, j'ai loupé un truc. Sébastien. Fais chier. Si on la soulève, Kidman pourrait passer en dessous et l'ouvrir de l'autre côté. On compte sur vous. Ah, et du coup, on revient... Mais il y avait pas la porte, tout à l'heure. C'est bizarre. Pourquoi vous capturez au lieu de vous tuer? Ah, je me rappelle de ce passage. Peut-être que je ne suis pas une menace pour lui. Lui? Ça, je me rappelle pas, par contre. Ah, Pépito qui s'enfuit en courant. Je sais qui vous êtes. What? Je ne vous laisserai pas l'emmener. Vous auriez dû suivre les ordres, Kid. Qu'est-ce que c'est, Léa? Bon, tant pis pour le bonus, hein, parce que là... De toute façon, je vais avoir une sauvegarde, donc... C'est chiant, parce que dans ce moment-là, on sait pas par où on doit aller avant. Genre... Joseph, c'est un boss! C'est sérieux? T'as une tâche! Je savais que vous étiez pas des nôtres!
Ouais. Faut que je passe derrière lui ? C'est quoi ce délire, quoi ? C'est un boss, quoi ! J'ai pas bien saisi comment il fallait que je fasse, là, quand même, hein. Il bouge plus ! Joseph ? Je t'aime bien, tu sais. C'est à cause de vous qu'on est là. Vous allez me le payer. Je crois que c'est une très mauvaise idée ce que je suis en train de faire, mais bon, c'est pas grave. Et bim! Allez vous faire foutre, Kidman! Ouais. Et merde. Qu'est-ce que je dois faire maintenant, là? Expect, c'est examiné. C'est peut-être pas le moment. Il est où ? Vous voilà. Oh merde ! Il me tire dessus, quoi ! Joseph, tu vas te calmer un petit peu, là, hein, et... Ça ne va plus. Qu'est-ce que je dois faire, bordel de merde ? Contrôle ! Purée, j'ai rien compris, quoi. Il est où ? Je sais pas où il est. Oh purée! Bah non! Tenez-vous quoi! S'il te plaît, tu peux arrêter de bouger que je te tue? Hein? Il est où? Elle a pas pu aller bien loin. Purée, mais. Puis il court et tout en plus! Voilà! Non! Tu te calmes tout de suite! Joseph! Oh merde! Pas bonne idée ça! Mais qu'est-ce que je dois faire? Je pige à rien! Aller bien loin. Oh mais il est terrifiant. Ah il y a une autre hache. Purée, il fallait l'avoir, hein. Faut juste qu'il pas qu'il passe là-bas comme tout à l'heure. Je sais où il est. Oh il est terrifiant. Pourquoi il court ? Je vais vous tuer, Kidman. Genre, il m'a vu, quoi. Parce que ce boss de fou. Ah, il y a une autre hache là. Oh, faut le toucher trois fois en fait. Mais il est où ? Purée. Dèche de partout en fait. Mais bouge. Espèce de lâche. Sortez, bon sang. Va faire des tours longtemps comme ça. Ça te fait rire? Bim. Oh. C'est chaud, hein. J'espère qu'il faut pas le tuer, pas le toucher plus de 3 fois, parce que sinon c'est trop chaud. Je
Je vous tiens. Merde. Elle a pas pu aller bien loin. Comme c'est tendu, quoi. Hey, dites-moi que c'est bon, quoi. Ouf. Eh ben, c'était chaud, hein. Mais c'est comme ça qu'on le tue, alors? Pourquoi vous me forcez à faire ça? J'en tremble, quoi. Ah, c'était tendu, Joseph, hein. Vous n'auriez pas dû vous en mêler. Mais c'est pas... Y a-t-il des péchés dont vous avez honte? On le voit plus tard, c'est pas à ce moment-là qu'il meurt. Je sais pas trop, là. Ah, du coup, j'ai loupé un module, je suis un peu deg quand même, hein, mais bon. C'est hors de question que je recommence ce passage. Je vous préviens. C'était super chaud. Eh non, pas, je suis pas morte. Hey, je suis pas morte une seule fois. J'ai mis du temps, mais... Oh! Attendez un peu. Oh. Cette maison... Je me suis pris une chaise. Non, c'est pas possible. On en est où? Oui, il est... Ah, mais c'est pas le... Non, c'est pas le tableau qu'il y a dans mon... Ah, là, là, qu'il y a un moment dans le jeu. Pas de contrôle, mais bon. Du coup... Oh, ça, c'est terrifiant. Du coup, ça fait que 10 minutes que je joue. Ma mère passait son temps dans son... Ouais, c'est ce que j'allais dire. À tous les coups, on est dans notre vieille maison. Prochaine messe. Elle passait très peu de temps avec nous. Je me demandais pourquoi elle avait eu des enfants. Ah, j'ai cru qu'il fallait... Mademoiselle Kidman, parlez-moi de votre famille. Joker. Non, nous avons suffisamment repoussé cette discussion. C'est important pour nous aider à vous comprendre. Ils en avaient rien à foutre. Il n'y avait que leur église qui comptait. Ou plutôt leur secte. C'était comme une punition. Ils étaient jamais contents de ce que je faisais. Ils vous maltraitaient? C'était plutôt de la négligence. C'est pour ça qu'ils ont rien dit quand je suis partie. Ils m'ont jamais cherché. Ils m'ont oublié. Vous n'avez jamais essayé de les revoir? Si. 2 ans plus tard. Mais ils étaient partis. Eux et tous les autres. C'était comme si la ville entière avait déménagé. J'aurais dû ressentir quelque chose. Mais non. Et qu'est-ce que ça vous fait, maintenant? Pareil. Ils peuvent bien crever. Mais c'était bizarre. Il y a une statue au milieu de la ville. Un ange qui tient sa tête dans ses mains. Je la regardais souvent quand j'étais petite. Je la trouvais si triste. Maintenant, je crois que même cette statue savait que la vie était misérable là-bas. Quel horrible endroit. D'accord. Donc elle a pas eu d'enfance facile et tout et tout et tout et tout. D'accord. Osef. Ah, du dehors. Ah, la fameuse statue. Fait du bien, un peu de dehors, hein. Tip. Ah, pas des monstres de partout, s'il vous plaît. Ah, mais on est au marché, là. Oui. Au marché, enfin... Ouais, je sais pas si c'est vraiment un marché, mais... Il y avait plein de trucs à récupérer, et puis après, on combattait des géants. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait une vache morte ou un truc comme ça. C'est bien parce que je suis passé pile poil du côté qu'il fallait pas. Yop, soulèvement de drap. Ça fait à parler. Sous. Cinématique. Leslie, stop! Ah, il est là-bas. Alors ça pue. La nuit, je regardais la statue illuminée au centre de la ville. On aurait dit qu'elle pleurait pour toutes les là-bas. Je les allume. Ah oui, tourne. Tourne? Oui. Pardon. Je ne tournais pas. Ouais. Merde. Je suis trompé de bouton. Ah, il va y avoir un monstre, c'est obligé là. Il va y avoir la femme ou je sais pas quoi. Ce serait trop simple sinon.
Petit tour gratuit, hein. Voilà. Ça rappelle vachement la tête d'ailleurs de... Oh purée, il en manque. Hein? problème, la statue a disparu. Purée, mais on voit rien. Du tout. Je suppose que ça suffit pas, hein. Non. Oh, on voit que dalle. Faut que j'aille où, là? Je vois rien du tout. Ah, peut-être par là. Non, hein, faut que je reste dans le marché. Hein. Purée, il y a des monstres. Oh, on voit que dalle. Je trouve des projos là, c'est ça. Fragment de mon passé. Ça vient sûrement du stem. Je vois rien. C'est quand même terrible comme on voit rien. Hein. Ah, il y en a un là. Projecteur. Oh, c'est terrifiant du coup parce que on voit pas bien les trucs, on s'imagine que c'est des. Genre des cornes, des conneries comme ça. J'aime pas, hein. S'il vous plaît, faites qu'il se passe rien. J'ai pas envie. Plop. C'est bon? Je crois pas, hein. Mais ouvrez-moi cette porte, nom de Dieu! Faut que j'en trouve un autre? Ouais, mais y a pas de colonne de toute façon là. Problème. Ouais, c'est ça. Autant pour moi. Ouais! Maintenant, j'aimerais bien une sauvegarde. Ce serait cool. On voit rien du tout! Ah! Sauvegarde! Sauvegarde? Sauvegarde? Sauvegarde. En plus, je crois que le DLC est vraiment pas long. J'ai peur de m'arrêter trop près de la fin, vous voyez. Putain, dans la vie, de merde. On cherche toujours un endroit où on se sent en sécurité. C'est clair. Où on peut toujours revenir. Il est là. J'espère qu'on va avoir sa tête avant la fin du DLC. Vous aviez un foyer. Mais il est maintenant ici. Avec nous. D'accord. Je suppose que je peux pas aller. Non. J'ai cru que c'était des munitions, j'étais en mode. Oh mon dieu. Pas la bête, hein. Oh, une vraie sauvegarde juste face à nous. Si c'est pas beau ça. Et là, boum, tout s'écroule, plus de sauvegarde. Eh ben, on va sauvegarder, on va s'arrêter là. Je sais pas du tout si. Oh, ça fait longtemps qu'on avait pas vu ces symboles. Ah, oh, super. Salem, c'est toi qui as fait ça. Je sais pas du tout si le... Ah, il y avait un truc à ramasser, merde. Si le prochain épisode sera le dernier ou pas. Ah. Yop. Sauvegarde en cours. Bon, tu lui fais une petite gratouille vite fait. Ok, voilà. On lui a lustré le poil, c'est bon. Il est content. Hop. Ruben ne se rend pas compte de ce qu'il a fait. Mais ça ne m'étonne pas vraiment qu'il s'en moque. Il n'a jamais été motivé par la crainte de Mobius. Le prototype du stem fonctionne, mais seulement s'il est relié à Ruben. J'ai découvert qu'il avait réglé le système de sorte qu'il fonctionne uniquement avec ses propres ondes cérébrales. Mmh. Je n'aurais pas dû le laisser seul avec cette machine. J'aurais dû me méfier. Malgré toutes mes connaissances dans ce domaine, je ne peux plus rien faire. Il est allé trop loin. Mais ce n'est pas le pire. Ils sont au courant. Pas question qu'ils me mettent ça sur le dos. Je vais l'obliger à arranger les choses. Je préfère ne pas imaginer ce qu'ils lui feront s'il refuse. Oh. C'était le petit moment dramatique. Bon, on va arrêter cet épisode-là, du coup. Et on verra bien, du coup, si le prochain, c'est le dernier. Du coup, j'arrête pas de dire du coup. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos impressions dans les commentaires. Je vous fais un gros bisou, je vous donne rendez-vous à la prochaine pour la suite de nos aventures. Bye-bye.